de bien vouloir m'excuser, madame, mais la réunion avec l'ingénieur a duré plus longtemps que prévu. Avez-vous réussi à trouver un terrain d'entente? Hélas, non. L'ingénieur reste sur ses positions. À mon avis, il veut vraiment l'éliminer. Mais comment? Dans 10 tonnes de béton. Oh. C'était un coup de poker. Vous allez vous coucher? Oh. Pour qui me prenez-vous? Quand on se couche, on sort du coup et les sommes pariées sont perdues. Ai-je une tête de perdante? Madame, vous avez déjà tant gagné. Oh, mais j'en veux plus. Je veux cette formule. Et ce n'est pas ce petit brasseur devant qui va m'en empêcher. S'il veut faire couler le ciment, j'ai d'autres arguments à lui opposer. Il est vrai que l'ingénieur brasse les tétons de la bonne. Quoi? Oh non! Oh non! Poupée! Mais quel idiot! Quel idiot! Les tétons de la bonne. Il a osé. L'ingénieur brasse le béton à la tonne. Enfin, Mathieu, concentre-toi. On n'y arrivera jamais. Ce pilote devrait déjà être en bois à presse. Bon, on fait un rajout, on remet la prise, patron. C'est à cause de ma dyslexie, monsieur Delphimon. Je sais, mon petit Mathieu, je sais. Tu savais qu'il était dyslexique avant le tournage? Oui. Et tu l'as quand même engagé? Excusez-moi, on fait la prise. Écoute, ce garçon a du talent. Oh, parce que je n'ai pas de talent, moi, peut-être. Oui, mais toi, tu n'es pas le fils du neveu de monsieur Meyer, notre producteur. D'accord. Ah, écoute, parce que je t'aurais prise comme vedette de mon film, sinon. Arrête, vous n'y êtes pour rien. Ah, alors toi, tais-toi. Je ne te demande pas ton avis. Hier, au lieu de me dire votre père a une belle-mère, il me sort votre mère a une belle père. Non, mais tu parles d'un acteur. Quand on a un tant soit peu de conscience professionnelle, hein, je pense, on prend des cours de diction et d'élocution dans un conservatoire ou à l'ERAD. Bon, on fait la scène, patron. Vous n'avez pas le droit de parler comme ça, Rita. J'en ai suivi des cours. Et j'essaie de faire de mon mieux, figurez-vous. Oui, peut-être. Mais moi, je perds mon temps. Alors, Mathieu Pan, l'acteur explosif, c'est très drôle. Ça va 5 minutes. Mais je ne suis pas là pour recoller des morceaux. Quand je pense que j'ai refusé de tourner avec Coppola pour toi... Ça y est, c'est reparti. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Tu crois que je ne t'ai pas entendu? Tu as dit c'est reparti. Oh non, si tu as entendu, pourquoi me demandes-tu? Tous les mêmes. Oh, vous êtes tous les mêmes. Oh, je vais aller ranger la caméra parce que là, on n'est pas prêt pour faire la scène. Qu'est-ce que vous avez, vous? Moi, je dis simplement que je vais ranger la caméra. Ranger la caméra? Mais de quoi vous mêlez-vous, Barbara? Ben, parce qu'on n'est pas prêt pour faire la scène. Mais pourquoi? Pourquoi voulez-vous ranger la caméra? Eh bien, parce que... on n'est pas prêt de refaire cette scène, mais j'en ai marre. Je ne sais pas pourquoi vous me dites ça, mais en tout cas, une chose est sûre, vous feriez bien de faire très attention à ce que vous dites. Non, mais attendez, vous croyez qu'on parle comme ça une vedette? Vous croyez qu'on parle comme ça une vedette? Non, mais attention. Non, mais parce que moi, je vais vous dire une chose, hein, si j'étais vous, je me tairais. Hein, parce que, primo, vous êtes mère de 3 enfants, d'accord? Que vous êtes divorcé. Hein, ça c'est très important, que vous êtes criblé de dettes. Et de plus, je vous ai fait signer un contrat qui me permet de vous virer sur le champ. Eh bien, la fine équipe. Oh, je vois pas le rapport. Vous notez au passage mon fair play qui m'empêche, hein, de vous dire que vous êtes ici en situation irrégulière. Quoi? Sans sous et sans papier? Mais... non, mais c'est pas vrai, vous le faites exprès. Oh, et là, j'ai l'impression qu'une escalope vient de me gifler. Oh, de dingue de l'escalope. Oh, 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 je viens de me faire traiter de dingue par une serbe-croate. J'ai à côté de moi un aigri qui glousse. Et toi, tu ne dis rien? Je ne glousse pas. Ah, peut-être, mais tu es quand même un aigri. Oh, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas Coppola qui avait engagé une équipe de losers. Quand je pense que j'ai refusé les supplications de Sean Connery pour tourner avec toi en Italie, non? Tout à fait pas. C'était il y a 10 ans. Et puis, le film a été quand même un succès, non? Bon, ça, je ne te le fais pas dire. Ah, vous avez refusé de tourner avec Sean Connery. J'ai refusé plus, chérie. Non. Il m'a demandé ma main. Non. Oh, il venait à peine de commencer à faire sa cour. Tu oublies les bouquets de fleurs qu'il me faisait livrer tous les jours à Milan. Non. Oh, prononcer 3 fois le même mot sans se tromper, bravo, ce garçon a du talent. De toute façon, tu sais très bien que ce mariage n'aurait pas pu se faire. Ah oui, pourquoi je te prie? Parce que je te vois mal faire une carrière sérieuse en t'appelant Arrête ta connerie. Arrête ta connerie, parce que toi, c'est ridicule. Le problème avec moi, c'est que quand tu essaies d'être drôle,
vos grands airs, hein. Moi, mes grands airs? Oui, parce que moi aussi j'ai tourné dans un film. De Besson avec Bellucci. Tu as tourné dans un film de Luc Besson, toi? Non, de Jean-Louis Besson. Ah! Avec Monica Bellucci? Geneviève Bellucci. Mais ça revient au même, elle avait beaucoup de talent et le talent n'a pas de prénom. Mais fais quand même attention, hein, le jour où tu dois tourner avec Woody, que ce soit bien Allen et pas Woodpecker parce que c'est pas le même registre. Hein. Et moi, on m'a proposé un poste de régisseuse dans une émission présentée par Benjamin Castaldi. Oui, le vrai Benjamin Castaldi. Ma pauvre enfant, toutes mes condoléances. Ah, pourquoi j'aurais dû refuser? Mais non, arrête. Non, elle plaisante, c'est un très gentil garçon. Allez les enfants, s'il vous plaît. On reprend la scène, placez-vous là. Allez. Bon, patron, il faut changer d'angle et avancer la caméra 2. Écoutez, faites ce que vous voulez, mais surtout que mes acteurs ne voient pas la caméra, ça fausse leur show. Peut-être, ça fausse le son. On fera des raccords à la post-synchronisation. Ouh, c'est boule boss, hein. Je dois vous le dire, monsieur, que votre façon de nous filmer est avant-gardiste. On arrive même à oublier qu'on tourne un film. Oui, il est certain qu'avec toi, on arrive même à oublier qu'on tourne avec un acteur. Cessez donc d'être plaisante, Aretha. Ou je sens que je vais encore voir des couleuvres abominables. Des douleurs abdominales. C'est une prémonition ou une gastro? Aretha, ma chérie, je t'en prie. D'accord, c'est bien pour toi. Quand je pense qu'à cette heure-ci, je devrais être au Festival de Cannes. Vu son âge, elle devrait dire au Festival de Cannes. Il est certain que j'échangerai bien la vieille contre Deneuve. Catherine Deneuve, bien sûr. N'avez-vous jamais eu envie de tourner avec elle? Ah oui, en oh, bah, Deneuve. Et alors? Ben bah, non. Je ne sais pas ce qu'elle perd. Oh, Mathieu, c'est gentil à toi de le dire, c'est très gentil. Bon, les enfants, s'il vous plaît, on se replace. Allez, on reprend la scène, on y va. Ah, monsieur Delphine, bon cœur! Que se passe-t-il? Eh bien, il est déjà 17h, et je vous rappelle que vous auriez dû libérer les lieux il y a une heure. Écoutez, madame, comment voulez-vous que nous terminions ce tournage si on nous dérange toutes les 5 minutes? Comment voulez-vous qu'un acteur puisse se concentrer dans ces conditions? Nous ne sommes pas des poseurs de moquettes. Je n'ai jamais dit cela. Alors arrêtez de faire la marchande de tapis, hein. Regardez devant vous. Vous voyez ce que je vois? Vous voyez ce que je vois? Regardez bien. Oui. Non, vous voyez pas. Parce que si vous aviez vu, hein, si vous aviez su regarder, vous auriez vu la vraie, l'unique, la véritable Aretha Brivet. Et vous m'auriez dit, oh oui, ou ah oui. Vous sentez la différence entre oui et ah oui? Vous sentez la différence? Oui. Non, vous n'avez rien compris du tout. Non, fais-je vous. Enfin, vous venez de me dire oui. Mais monsieur. Non, il n'y a rien à faire pour vous. Écoutez, madame, vous n'êtes absolument pas faite pour le cinéma. Vous ne transpirez rien, vous ne dégagez rien, vous êtes fade, vous êtes sans saveur, voilà. Allez, quittez le plateau, madame, passez votre chemin. Non, monsieur Delphine. Et malgré tout le respect que j'ai pour votre travail, c'est vous qui allez passer votre chemin. Je ne suis pas ici pour auditionner, je suis la directrice de cet établissement. Et j'ai accepté votre présence encore aujourd'hui à la seule condition que vous quittiez les lieux avant 16h, je vous le rappelle. Mais c'est impossible, la cause. Il me faut plus d'un jour pour ranger le matériel. Oh, il y a un problème, Augusto. Écoutez, non, il n'y a pas de problème. On va marquer 10 minutes de pause, hein, 10 minutes de pause pour tout le monde, allez vous rafraîchir. Arrêtez, ma chérie, c'était très bien. La routine, chérie, crois pas rien, ben, la routine. Mathieu aussi, c'était très bien. Par contre, vous, la cerveau croite, c'était pas terrible. Madame Longue-Épée, savez-vous ce que vous venez de faire? Quand, quoi, où? Parce que c'est difficile de vous suivre. En l'instant, vous venez de couper les élans artistiques des comédiens. Vous venez de saper le moral des troupes. Et oui, parfaitement, oui, je vous signale au passage qu'on en a fusillé pour moins de ça. Voilà. Dites, oui. Vous êtes un peu dérangé comme type, hein? Bon. Vous vivez vraiment dans un autre monde. Eh bien oui, le monde de l'art, madame. Et oui, et bien, c'est comme ça, notre pas qui veut. Beaucoup de prétendants, Cameron, Almodovar, Tarantino et très peu d'élus. Spielberg et moi. Mais bien sûr. Alors dites à Spielberg de renvoyer le vaisseau sur Terre parce qu'il est grand temps pour vous d'atterrir. Monsieur Delphine, je sais que vous êtes un artiste, mais il n'aura pas échappé à votre perspicacité que depuis ce matin vous êtes les seuls résidents dans cet établissement. Mais alors, à ce propos, si vous voulez, moi, allez, vous devriez changer le chef cuisinier. Oh, je vous en prie. Non, le personnel a pris congé lui aussi. Oui, je suis seule aux commandes avec ma fille. Parce que la personne qui doit arriver d'ici peut la exiger ainsi. Voilà. Vous m'attendez, quelqu'un vous a commandé les 24 chambres pour lui tout seul? Les 24 chambres et les abords dont vous devriez être parti depuis plus d'une heure, monsieur Delphine. Qui est-ce? Alors ça ne me regarde pas. Mais s'il vous trouve ici, il a
annulera son séjour. Je vous laisse imaginer le préjudice qu'il en résulterait pour moi. Il s'agit d'un homme politique. François Hollande. Non, je ne vous dirai rien. Enfin, dites-moi moi s'il s'agit d'un comédien. Je ne vous ai jamais dit qu'il s'agissait d'un homme non plus. Ah, si au contraire, venez de me dire, si il vous trouve ici, il annulera son séjour. Ah, alors, il... Vous avez raison, j'en ai déjà trop dit. Allez, ma parlons d'épée. C'est pas comme si j'étais tout un chacun, moi. Moi, les comédiens, je les connais tous, c'est ma famille. Hein? N'insistez pas. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire après tout? Je m'en vais tout de suite après. J'ai votre parole. Resterez muet comme une tombe. Attention, monsieur Delpimont. À votre âge, certaines comparaisons peuvent être fatales. C'est une comique, vous savez. Allez. Allez. Brice Clayton. Attendez, Brice Clayton, je le croyais en cure de désintoxication. Oh, mais non. Non, ça, c'était le mois dernier. Ah, il a rechuté. Mais non. Mais il ne se remet toujours pas de sa rupture avec Jacqueline Balbert. Jacqueline Balbert. Attendez, comment Jacqueline Balbert? Je le croyais avec Ashley Simpson. Ashley Simpson? Oui. Mais vous avez un métro trop tard. Oh. Non, Ashley Simpson était avec Chris Vance, dont elle s'est séparée en février dernier. Oui. Mais dont elle est restée très proche pour le bien de Bronx. Oui, c'est leur petit garçon. Oh. Et depuis, elle est avec Vincent Piazza. Alors, pour se remettre de cette rupture sentimentale, eh bien, il s'est jeté dans les bras de Jacqueline. Vincent? Mais non, Bruce, enfin, essayez de suivre. Ah oui, d'accord. Et ça n'a pas marché. Quoi? Ah, vous n'êtes pas au courant? Non, pas. Jacqueline est tombée enceinte. Oh, et il ne voulait pas d'enfant? Mais si, bien sûr. Mais pas seulement après une semaine de vie commune. Ah, oui. Elle voulait lui faire endosser la paternité. Oh, la salope. Ah, ça, je n'en pouvais pas dire. Et... je vous laisse imaginer la tête de Brice quand il a découvert le poteau rose. Et surtout quand il a su que le père présumé était Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio? Jacqueline est une salope, je l'ai toujours dit. Et justement là, j'attends les résultats du test de paternité. Comment? Vous avez quelqu'un de bien placé dans le milieu? Ah non, non, je suis abonnée à Gala. Excusez, c'est mon portable, j'étais un des premiers à les avoir. J'allais en profiter pour aller chercher le numéro de cette semaine. Merci. Allô, oui? Ah, monsieur Meyer! Justement, j'allais vous appeler, oui. Oui, mais à propos du pilote, ça y est, c'est... Pardon? Enfin, monsieur Meyer, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie, après tant d'années, vous ne pouvez pas... Enfin, monsieur Meyer, vous ne pouvez pas me lâcher comme ça! Et arrêtez à briver! Ben, vous savez très bien que Tom Cruise a refusé le rôle et que nous attendons la réponse d'Alain Delon. Oui. Comment? Alors écoutez, si vous préférez la jeunesse au talent, j'aurais très bien pu vous proposer, tiens, Brice Clayton dans la distribution. Et vous auriez été preneur. Mais justement, j'allais vous appeler pour ça, monsieur Meyer. Nous avons Brice Clayton dans la distribution. Oui, absolument. Ben, je l'ai rencontré tout à fait, absolument. Je lui ai donné le script. Oui, vous pensez qu'il a adoré. Oui. Ben oui. Ben, arrête à briver Brice Clayton dans Message indiscret, une série d'Augusto Del Piero, ça va le faire. Ah ben oui. Ben, donnez-moi 5 jours et je vous donne le pilote. 4 jours. 3 jours. Non, non, je ne fais pas le marchand de tapis. Je... D'accord, monsieur Meyer, je passerai dans 3 jours. D'accord, monsieur. On n'est pas dans la... Voilà. Tenez, vous allez pouvoir rattraper vos lacunes. Merci, madame Longue-Épée. Oh, frère, appelez-moi Odile. Merci, Odile. Odile, dorénavant, vous pourrez me demander tout ce que vous voudrez, c'est accordé d'avance. Pour un gala? Si j'avais su, je vous aurais aussi apporté Oups et le chasseur français, tiens. Non, en fait, sérieusement, c'est moi qui ai quelque chose à vous demander. Faudrait savoir. Écoutez, Odile, aujourd'hui, il est dans votre pouvoir de sauver l'industrie cinématographique française. Stop. C'est bon. J'ai compris. Et je vous dis non. Je sais très bien ce que vous allez me demander. Oui, vous allez me demander de vous laisser rencontrer Chris Clayton. Donc c'est un peu ça. Ça n'est rien du tout. Et je vous interdis de vous servir de moi. Ce n'est pas parce qu'on a partagé un gala que l'on doit élever les Clayton ensemble. Non mais... Enfin, Odile, puisqu'il n'en saura rien. Comment ça, il n'en saura rien? Mais vous ne pouvez tout de même pas le filmer à son insu. Pourquoi pas? Mon Dieu, mais ce serait génial, ça, comme idée! Eh bien, attendez-vous alors ce qu'il vous traîne en justice. Si le film est un succès, m'étonnerait. Et le droit à l'image?
Savez-vous combien de millions d'euros la presse People est-elle obligée de verser aux victimes? Et bien souvent, ils sont complices. Et puis écoutez, ça me regarde, je prends le risque. Oui, et puis d'abord, je ne vois pas pourquoi je parle de ça avec vous. Il est hors de question que vous restiez une minute de plus. Ok, ok. Songez à la publicité qu'une telle série vous ferait. Je ne tiens pas un camping, monsieur Desdémons. Je n'ai nul besoin de publicité. Et un rôle. Un rôle dans la série. Mais voilà, mais bien, ne me dites pas qu'une belle femme comme vous n'a jamais songé à faire du cinéma. Écoutez, vous dites, tout en vous transpire. Ah oui, ça se transpire. Tout en vous transpire la comédienne. Vous êtes bâtie, vous êtes faite pour le cinéma. Vous êtes un roquin, un fric, un gars, que dis-je, un gars, plus de pénal. Et mon cul, c'est du poulet. Il n'y a pas 10 minutes, vous venez de me dire que j'étais fade et que je n'exprimais rien. Mais ça, c'était à l'époque. À l'époque, je ne voyais en vous que la chrysalide, que la neige. Oh, arrêtez vos compliments débiles. De toute façon, ce n'est pas pour moi que je vais vous demander une faveur. Comment vous accepteriez? Sous certaines conditions. Oh, ma sauveuse dans mes bras. Oh oui, allez vous faire câliner ailleurs. Non, c'est pour mon bébé. Oh, vous avez un bébé? Mais oui, je viens de vous le dire. Oh, j'adore les bébés. Elle s'appelle Laurence. Oh, j'adore les petites filles. Elle a 35 ans. Oh, j'adore les vieilles filles. Et elle a toujours rêvé de faire du cinéma. J'adore les vieilles filles qui rêvent de faire du cinéma. Bon, arrêtez vos soucis. Le problème est qu'elle est... Comment dire... différente. Voilà, c'est ça, différente. C'est très bien, ça. Mais c'est très bien, il faut savoir cultiver sa différence. En fait, c'est une surdouée. Oh, avec une mère comme vous, comment pourrait-il en être autrement? Je le dégrotesque. Vous trouvez? Oui. Je veux que ma fille tourne une scène qui soit suffisamment longue pour qu'elle s'en souvienne toute sa vie. Alors, pour ça, ne vous inquiétez pas, il existe ce qu'on appelle des magnétoscopes, ça enregistre. Je veux que ce soit une scène d'amour. Ah! Alors là, ça tombe bien, il y en a des tas dans la série. Oui, mais attention, qu'ils ne soient pas sortis, non, pas vulgaires. Ah, on en écrira une alors parce qu'elles sont toutes... Et je veux qu'elle tourne avec Rhys Clayton. Ah, ça, c'est... Ça, c'est ma condition. Et je vous laisse carte blanche durant 3 jours. 5 jours. 4 jours, et c'est mon dernier. Vous êtes dur en affaire, vous savez. J'ai cette réputation, oui. Bon, je vais aller vous chercher ma fille et... Vous comprendrez pourquoi. Et Odile. Oui. Je ne sais comment vous remercier. Oh ben, tiens, vous n'aurez qu'à rajouter mon nom au générique de fin. D'accord. Un peu petit, alors. Patron. Ah, quoi encore? Ça commence à s'impatienter, là. Quoi? Il y a la diva qui vient de péter les plombs. Et quoi? Eh ben, elle a décidé de refaire la scène de l'attaque des insectes. Oui. Mathieu se jette sur elle. Oui. Et lui dit, vous avez une puce dans le cou, lui dit, vous avez un pouce dans... Ah, mais celui-ci, j'aurais mieux fait de l'auditionner, ça m'aurait évité toutes ces contre-pétries. Écoutez, ça va essayer de calmer le jeu, j'arrive. Barbara. Oui, patron. J'ai besoin que vous retourniez aux entrepôts. Aux entrepôts à cette heure-ci? Ouais. J'ai besoin que vous couvriez tout le périmètre, mais alors tout ce périmètre, plus une chambre dont je vous donnerai le numéro, en caméra espion. Mais rien qu'en caméra espion, il me faut plus d'un jour. Ah non. Non, écoutez, je veux du rapide et du concret. Dorénavant, nous allons tourner, mais en caméra cachée. Bon, je peux vous installer une caméra CCD 2,400 fils et une caméra de recul CMOS, ouais. Mais je vous garantis pas une qualité premium. Ouais, eh bien, je n'avais pas compris ce que vous m'avez dit, mais c'est d'accord, on va faire comme vous. Bon, alors patron. Et la F-35. Eh bien, la F-35, je la mets où? On la met où? Ben, la F-35, vous allez me la mettre ici, on s'en servira uniquement pour les gros plans, d'accord? Quel gâchis! Ah, écoutez, hein, faites ce que je vous dis, dorénavant je compte sur vous. Nous devons tourner cette série en caméra cachée, et surtout, Brice Clayton ne doit apercevoir aucune caméra. Ah, parce que Brice Clayton joue dans la série, c'est nouveau. Oui, mais à la condition qu'il ne voit aucune caméra. Et pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi ne doit-il voir aucune caméra? Parce que c'est comme ça, allez. Ah, ça, ce n'est pas une explication. Écoutez, il est devenu allergique, voilà. Allergique? Oui, il est allergique aux caméras. Aux caméras? Oui, ça lui donne des démangeaisons dès qu'il aperçoit une caméra. Des démangeaisons? Oui, des démangeaisons. Des démangeaisons, il est une caméra phobite, voilà. Une caméra phobite? Une caméra phobite aiguë. Une caméra phobite aiguë? Mais c'est la première fois que j'entends ça. Oui.
puis en même temps, vous êtes sarbouroise, alors vous ne maîtrisez pas bien la langue, alors s'il vous plaît, allez, moi, si vous retournez pas aux entrepôts, je vais vous faire retourner en service. Non, papa, et puis c'est pas la peine de vous énerver, patron, j'y vais, et puis vous t'arrêterez pas, comme ça, ça me permettrait de visiter. Je suis bulgare, moi. Et alors? Oui, bulgare. Je vous en fais visiter. Occupez-vous plutôt des bagages de monsieur. Et les caméras. Les caméras. Oui, les caméras. Les caméras que nous avons fait installer extramuros afin d'assurer votre sécurité, monsieur Clayton. Oh, excellente initiative. Je suis ici pour une retraite paisible et solitaire, comme je l'ai expliqué au téléphone à votre épouse. À votre épouse. Madame Longuepé, vous êtes bien monsieur Longuepé. Ah oui, bien sûr, mais bien sûr. Bien sûr, vous êtes Miss Clayton, je suis monsieur Longuepé. Alors elle, c'est une serbo-croate, oui, c'est une jeune fille au père, voyons, on l'a trouvée déjà dans cette tenue, c'est terrible. Son village a pris feu, elle a pris feu, c'est la seule survivante, mais seulement ils ont essayé d'éteindre le feu à coup de pelle, alors ça les fait pas. Oui, on s'en sert comme room service. Mes bagages sont dans la voiture. La voiture. Bien, Buana. Bien, Buana. Non. Bien, Buana. C'est du serbo-croate, ça veut dire bien bonjour. C'est très culturel, mais bien bonjour. C'est charmant, ce petit côté colonial. Oui, et puis ça mange pas de pain. Hein. Oui, mais ça se nourrit bien, tout de même. Ah, la gastronomie. La gastronomie française, monsieur Clayton. Et puis, quoi, avec ma femme au fourneau, festival. Voilà, je... Ah, chérie, laisse-moi te présenter, monsieur Clayton. Chérie. Ben oui, chérie. Madame. Bonjour. Votre mari était en train de me vanter vos qualités exceptionnelles. Ah oui. Oh. Mon mari a tendance à faire du cinéma, monsieur Clayton. Mon Dieu, je ne l'avais pas reconnu. Miss Clayton. Admiratrice. Oui, accessoirement ma fille. Ah, c'est votre fille. Ah, mais non. Ça dit, oui, mais c'est dans le premier lit. Il faut l'excuser, monsieur Clayton. Respire, ma chérie, respire. Je ne pensais pas faire autant d'effets à une jeune fille. Ah. J'espère que ça va aller, mademoiselle. Ah, Il m'a touché. Oh, mais non, ça ne va pas mieux. Elle est en pleine crise. Je suis confuse. Passager. Je l'espère, ou du moins faudra-t-il éviter que nous nous rencontrions. Je vais vous conduire votre suite. La 438, elle donne sur le parc, vous verrez, c'est très reposant. Oui, il faudra au moins ça. Voilà, si vous voulez bien. Ah, bah, avec plaisir, madame. Je te laisse avec ta fille. Ma belle-fille, c'est ma belle-fille. Oh, les secondes, je vous jure, c'est pire que le Titanic. C'est... Pardon, j'avais oublié qu'il jouait dans le film. C'est pas grave, madame Henri Pénanceuse. C'est pas à Leonardo que j'en veux, non. Non. C'est à cette poufiasse de salope de connasse de... Je vous prie de bien vouloir m'excuser. C'est bien normal. Ça fait du bien de se laisser aller. Hein. Si vous voulez bien me suivre. Bonjour, monsieur Clayton. Bonjour. Alors, bien évidemment, je ne sais pas si vous avez pu me suivre, mademoiselle, mais je ne suis pas votre père. Mes hommes te bénissent, les fameux vagins. C'est pas faux. Vous ne m'attendez pas à cette réponse, mais c'est pas faux. Qui êtes-vous? Augusto del Piemont. Ah, vous êtes le réalisateur. Oui. Et vous, vous avez une sœur. Ah non. Pourtant, votre mère m'a dit qu'elle avait une fille surdouée. Oh, elle dit ça à tout le monde. Et quand on vous voit, on la croit. J'ai une mémoire prodigieuse. J'ai un cerveau très développé. Et j'ai aussi un anus et un vagin. Oui, et eux aussi sont très développés. N'ayez pas méchant. Je suis atteinte du syndrome de Deacon. Oui, c'est une maladie très rare. Comme dit le professeur Vermeil qui me soigne, il y a un petit pénis. Mais
dites-moi, ça ne s'attrape pas au moins? Bien sûr que non, on est avec. Non mais vous êtes idiot, vous le faites exprès. Enfin, mademoiselle, je ne vous permets pas et j'attends des excuses immédiatement. Je regrette. Voilà. Je regrette que vous soyez idiot. Je ne sais pas pourquoi, mais je la sens mal, celle-là. Ma conceptrice vaginale m'a dit que j'allais jouer dans votre série. Attendez. Votre conceptrice vaginale, vous voulez dire votre mère? Oui. Elle m'a dit que vous aviez un rôle pour moi. Mais attendez, mais pourquoi associez-vous toujours des organes humains comme ça? C'est à cause de mon syndrome. Ah! Quand on est atteint par cette maladie, on se sent seul face au monde extérieur. On se sent angoissé et très tôt, on développe un conflit face à sa sexualité. Alors, pour retrouver un lien avec soi-même, on s'attache à citer certainement d'organes sexuels. C'est une façon de se rassurer. Bah, en tout cas, je vous trouve très lucide sur votre maladie, ça. Malgré les apparences, je ne suis plus une enfant. Et je fais parfois preuve de discernement. Ah, d'accord. Alors comme ça, vous voudriez faire du cinéma? Oui, mais enfin, je sais très bien que je ne pourrais pas en faire une carrière. Et pourquoi dites-vous cela? Oh, ça c'est très élégant à vous de poser la question. Ah, non, je vous assure, je connais les comédiens et je peux vous dire que ce sont tous de grands névrosés. Oui, peut-être, plus ou moins. Non, moi ça reste juste un rêve de gamine, comme toutes les petites filles qui se voient en haut de l'affiche. Et puis, vous savez, j'ai déjà un métier. Ah bon, mais je croyais que vous étiez votre mère ici. Ah oui, non, ça je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Non, j'ai un cabinet de gynécologie à 20 km d'ici. Ah, vous êtes gynécologue? Oui. Mais j'aurais dû m'en douter, oui. Et j'ai toujours été fan de Brie. Oula, calmez-vous, mademoiselle, calmez-vous. De Brie. Calmez-vous, mademoiselle, respirez, ne me faites pas de crise, là. Respirez. Brie-clé. Allez, j'ai respiré, voilà, ça va sortir, vous allez le sortir, respirez, ça va sortir. Respirez, ça va sortir. Tu comptes faire accoucher maintenant ou j'appelle l'ambulance? Non, mais c'est pas ce que tu crois. Brie-clé. Vous l'avez pu se garer plus loin, celui-là, vous me la recopierez, patron, hein, ou je vais livrer ça. 438. Non, 428. Ah oui, 428. Il a été renversé un gros pourboire, hein, c'est moi qui vous le dis. Bon, dépêchez-vous de me livrer ces deux valises et retournez aux entrepôts. Oh, moi je suis régie sale, si j'avais voulu être boniche, je serais restée à Sophia. Hein. Patron, je vous préviens, patron, hein. Clétonne ou pas Clétonne, il n'a pas intérêt à me toucher parce que je lui jette mes bagages à travers la gueule. Je ne m'appelle pas la fille à tout, moi. Mais mélange tout, cette pauvre fille, l'affaire Clétonne, c'est Monica. Et peux-tu m'expliquer pourquoi Barbara porte ses bagages à l'ancien président des États-Unis qui doit se trouver dans cet hôtel, alors que je n'ai même pas prévu de robe de cocktail suffisamment habillée pour lui être présentée? Calme, il ne s'agit pas de Bill Clinton. Ah non? Mais de Brice Clayton. Brice Clayton est ici? Et serait-ce trop demandé de savoir ce que fait Brice ici? Mais en fait, je viens de l'apprendre, mais meilleur le veut dans la distribution. De ton prochain film? Non, dans la série. C'est une plaisanterie. Écoute, attends. Tu es en train de me dire que Brice Clayton va me voler la vedette? Non, mais tu te moques de moi. Meilleur à demander ce petit drogué dans la distribution. Je vous interdis de dire du mal de Brice Clayton. Je vous interdis de dire la moindre perfidie. Je vous interdis de dire la moindre calomnie. Je vous interdis de dire la moindre vilainie sur Brice Clayton. Vous ne savez rien, madame, de Brice Clayton. Ah non. Vous ne savez pas ce qu'a souffert cet homme. C'est un écorché vif. Il a vécu les 6 premières années de sa vie attaché à son lit, couvert d'un drap. Que ses cris soient étouffés. Les auteurs de ses sévices étaient ses propres parents. Oui, madame, Chris Clayton est un enfant martyr. Et il aura fallu plus de 12 opérations chirurgicales pour effacer les coups donnés par son père, un récidiviste. Déjà condamné avant sa naissance pour maltraitance d'enfants, bien connu des services sociaux, et qui a continué à torturer Brice dans l'indifférence générale. Alors, vous allez me dire que tout ceci vous l'ignoriez, et que cela ne justifie en rien la prise de drogue. Mais une question me brûle la vulve, madame.
une surdouée. Et je l'aime de plus en plus. Mais quel personnage féminin? Sérieusement, qui est-ce? Ta prochaine fille dans la série. Quoi? Ah non, alors là, je te... Celle qu'on rend, Clayton. Quel radin! Je n'ai jamais vu un critère aussi belle. Oui, je vous interdis à votre vie. Et je suis pas de Brice Clayton. Calmez-vous. Cette femme est complètement folle. Je te préviens, il est hors de question qu'elle... Vous croyez que j'ai que ça à faire? Vous n'avez qu'à demander au figurant. Mathieu, vous trouvez? Et quoi, Aretha? Vous trouvez que j'ai un rôle de figurant? Ben, vraisemblablement, je ne suis pas la seule à le penser, la preuve. Oh, en même temps, vous n'étiez que deux sur le tournage. Ah oui, il est certain qu'avec Brice Clayton et cette folle hystérique, le tournage prend une toute autre dimension. Je me demande pourquoi je reste, tiens. Non, mais parce que vous ne pouvez pas faire autrement, Aretha. Je sais que tu plaisantes. Tu crois peut-être que j'attends après cette série? En tout cas, vous comptez sur elle pour relancer votre carrière. Oui, ben justement, c'est ce qui fait notre différence. Moi, j'ai une carrière. Vous avez raison. Mais contrairement à la vôtre, la mienne est devant moi. C'est prétentieux. J'ai que tourné avec les plus grands, moi, et pas avec des ersatz. Mais Monica Bellucci, je peux te donner son numéro de téléphone. On a tourné deux fois ensemble. Et à Berlin, alors que nous étions toutes deux en compétition, c'est moi qui ai remporté le prize leader. Toi, avec ta Geneviève Bellucci et ta dyslexie. Le seul succès que tu pourrais remporter, c'est ton Leader Prize. Et encore, on ne suis même pas sûre. E.D. Dia. Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça, Aretha. Ah oui. J'en ai suivi des cours, je vous le rappelle. Mais je peux être méchant, moi aussi. Augusto m'a dit qu'avant vous, il avait songé à de nombreuses comédiennes qui ont toutes refusé le rôle. Non, en fait, il n'y en avait qu'une seule qui avait accepté. Linda Garza. Et vous savez qu'à cause de son accident de moto, elle s'est mordue l'utérus. Elle s'est tordue l'utérus. Finalement, sans le savoir, ce garçon risque de faire une grande carrière comique. Mais évidemment que je savais tout cela, Mathieu. Mais j'ignorais que tout le monde était au courant. C'est un luxe que de pouvoir refuser un rôle. Un luxe que je n'ai pas les moyens de m'offrir. Si c'est ce que tu voulais m'entendre te dire, voilà, c'est fait. Je préfère ce discours. Vous avez raison, mademoiselle. Je dois bosser 3 jours de plus ici, loin de mes enfants. Alors que le premier a l'angine, le second la varicelle, le troisième la grippe. Que dites-vous de cela? Écoutez, je n'ai jamais été douée pour les charades. Ben quoi? Bon, votre vie ne m'intéresse pas. Voilà. C'est vrai, quoi, c'est déjà parce que j'ai fait un pas vers mon partenaire que je dois être gentille avec toute l'équipe technique aussi, faut pas exagérer. Quel garce! Faites attention à ce que vous dites. Ah, tu veux que je te dise? Quoi? Tu es un salaud. Arrête, ma chérie, que se passe-t-il encore? Encore? Si Linda Garza n'avait pas eu son accident de moto, tu n'aurais jamais proposé ce rôle. C'est vrai, mais je ne vois pas en quoi ça fait de moi un salaud. Mais tu m'as dit que j'étais faite pour ce rôle. Oula, arrête, chérie, tu n'es pas une comme ça. La fille! Non mais enfin, tu sais très bien qu'un rôle est pour l'acteur qui l'accepte en dernier. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit que le personnage avait été écrit pour toi et non que tu avais été faite pour le personnage. C'est logique quand même! Eh ben oui! C'est logique! Bah, vous trouvez ça logique, vous? C'est logique. Mais c'est un raisonnement de gamin pubère boutonneux. Attendez, c'est votre syndrome qui vous fait parler comme ça, vous? Ah non, 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 là c'est un avis personnel. Oh sinon j'aurais dit que c'était un avis de trou du cul. Finalement cela me coûte, mais je pense que je vais changer d'avis. Je crois que vous êtes faite pour le cinéma. Et je suis heureuse que vous jouiez le rôle de ma fille. Dans mes bras, vite. Quoi?
Bon, allez, ça va, on n'a pas le temps. Je ne vais pas vous résumer la situation, puisque je viens de le faire ce matin. Et notre temps est très précieux. En plus, elle n'a pas changé. Donc, tout tient à très bien. Si nous n'arrivons pas à terminer ce pilote dans 2 jours, nous pouvons dire adieu à la série. Et comme nous n'avons pas les moyens de nous passer de Brice Clayton, nous allons faire avec et malgré lui. Mais auparavant, j'ai besoin de savoir si vous êtes par-dessus dans cette aventure. Justement, je préfère la vérité que vos pseudo-explications, caméraphobe. Je savais bien que ce n'était pas français. Oh, vous, ça va, ça vaut pas tes... Il n'y a vraiment que vous pour avoir de telles idées. Pour moi, ça marche. Ok. Pour moi, inutile de me poser la question. Parfait. Bon, je te préviens que je n'hésiterai pas à mesurer la grosseur des lettres de Brice Clayton lors du générique. Je veux un demi-millimètre de plus à mon nom. Parfait. Donc nous allons faire ce film. Mathieu, ça va te permettre d'être connu du grand public. Arrêta, ma chérie, ça va relancer ta carrière, même si tu n'avais pas besoin de ça, ma chérie. C'est gentil à toi de le souligner. Et quant à vous, Laurence, vous allez enfin vivre le rêve de votre vie. Là, c'est plus qu'un rêve. C'est un fantasme. Brice Clayton. Eh bien, voilà. Allez, en place. Et moi ? Pas vous. Quel est mon intérêt ? Écoutez-vous, finalement, je vous garde comme régisseuse toute la saison. Allez, mais c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que j'ai 3 enfants qui m'attendent en Bretagne, moi. Eh ben, on les fera venir ici, et puis on pourra même les intégrer à la série. Pas tous les 3? Eh ben oui, le personnage de Laurence n'aura qu'à en adopter un tous les 7 épisodes, 7x21. Voilà, comme ça, c'est voilà. C'est très à la mode, l'adoption, non? Ah oui, remarque, c'est ce que me disait Angelina Jolie. Vous connaissez Angelina Jolie? Non, 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 en fait, c'est ce que me disait l'agent d'Angelina Jolie. La secrétaire. C'est son bras droit, ça revient au même, ne joue pas sur les mots, Couston. Mais moi je pense que plutôt que d'adopter 3 enfants, oui, il serait préférable que mon personnage en fasse un soi-même. Et alors je vois très bien la caméra sur moi le jour de l'accouchement, un gros plan sur le cordon ombilical, ensuite... C'est la coupée. Non, 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 on coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Non, non, tenons-nous-en au script que je vous ai remis ce matin, hein, je préfère, voilà. Allez, on va commencer par la scène 7, la scène d'Arita et de Laurence, d'accord? Laurence, c'est vous qui commencez dès que vous voyez Brice Clayton. Calmez-vous, Laurence. Calmez-vous, Laurence. Laurence, calmez-vous. Calmez-vous. Calmez-vous, sinon vous ne pourrez pas jouer dans la série. Brice Clayton, dites-le. Brice Clayton. Voilà. Ok, je suis calmée. Parfait. Si ça peut t'aider à le désacraliser, chérie. Imagine-toi Brice sur les toilettes. Tu verras, c'est un homme comme les autres. Le problème, c'est que même si je l'imagine sur les toilettes, eh bien, ça me rend toute chose. Oui, bon, alors écoutez, je continue si toutefois ça vous intéresse. Hein. Donc, dès que vous apercevez Laurence, dès que vous apercevez Brice Clayton, d'accord, il sera surpris. Vous voyez, vous ne connaît pas. Donc, soyez légère, d'accord, faites-lui du rentre-dedans, mais tout en nuance. Et c'est à cet instant que je dois lui dire... J'espère que vous passerez me voir entre Noël et jour de l'an. Oui, c'est écrit dans le script, voilà. Alors, à ce propos, oui, j'ai bien réfléchi. Écoutez, écoutez, pensé... écoutez, Laurence, ne pensez pas. Faites comme vous le sentez. Hein. Faites comme vous voulez. Mettez-y surtout toute votre spontanéité, d'accord? Bon. Arrêtez, ma chérie. Ah, oui, Pourquoi on parle pas de toi? C'est bon. As-tu trouvé ta chemise? Ta chemise. Ma chemise? Où est ma chemise? Ah, c'est moi qui l'ai, c'est moi qui l'ai. Voilà, voilà, tenez. Bah, attention, la colle est encore fraîche. Ma souffle. Barbara, vous arriverez à me faire un gros plan sur le col de la chemise? Sans problème, patron. Parfait. Donc, ma chérie, oui. Dès qu'il te verra arriver, il sera aussi surpris. Donc, il te trompe, tu as la preuve. Oui. Tu lui montres la preuve. Oui. Le cheveu sur le col. Tu me trompes, le cheveu sur le col. Sur le col, le cheveu. Voilà. Alors, évidemment, il sera surpris, mais tu ne laisses pas placer un mot et tu t'en vas vite, hein, parce que... Non, mais si tu veux, je dis un mot sur deux, comme ça on ira plus vite. Arrêta, c'est pas de toi dont j'ai peur. Nous avons droit qu'à une seule prise, une unique prise. C'est de la réaction de prise dont j'ai peur. Bon, ne t'inquiète pas, je ne lui laisserai pas placer un mot. Bon, et s'il y a un problème, j'improviserai. Parfait, parfait. Mathieu, as-tu trouvé le bouquin? Je l'ai acheté ce matin. Les rossignols du Caroubier, c'est le dernier jeu de Vermont. C'est ce qu'il est en train de dire. Très bien. Après ça, il sera obligé de me téléphoner. Attention! Attention, il arrive! Suivez-moi, vite! Je dois rester dans le champ. Oui, on est à la scène 54, vous jouez, bien sûr, bien sûr. Et surtout, vous partez dès que Arita... Okay. Avant qu'Arita... Oui, quand devrais-je parler du psy? Quand vous le
sentez suffisamment troublé, vous lui remettrez la carte hein, que je vous ai posée sur le bureau. D'accord? Je compte sur vous. Allez, ça ira. Ça ira. En place les filles, on tourne. Oh, ma Lolo, que tu es jolie. Ça va aller. Oh, maman, j'ai le trac. J'ai les fesses qui font bravo. Oh, mais c'est bien, ma chérie. Et oui, certaines parties de ton anatomie reprennent déjà confiance en toi. En revanche, moi, je crois que je vais me trouver mal. Ah, bonjour madame. Bonjour. Ça doit être génétique. Ah, mademoiselle, j'espère que ma présence ne vous importunera pas. Non. Bien. Rassurez-vous, monsieur. Alors en ce cas, pourriez-vous me porter un perrier, je vous prie? Oh, certainement. Je vais vous le chercher. Je ne vois rien. Et ça,
la faire croître, il n'y a personne d'autre dans cet hôtel. Mais vous devriez le savoir, c'est vous qui l'avez voulu ainsi. Enfin, je ne suis pas fou. Elle a même fouillé dans mes affaires. Ah, en ce cas, c'est différent. Ah, vous croyez que vous la connaissez? Non, mais il faut prévenir la police. Oui. Savez-vous ce qu'on vous a dérobé? En fait, rien. Rien. Mais non, cette chemise n'était pas à moi. Alors que nous soyons d'accord, Monsieur Clayton, je précise au commissariat que l'inconnu a fouillé dans vos affaires pour vous dérober une chemise qui n'est pas à vous et qu'il s'est enfui aussitôt en vous injuriant. Bien cela. Ah ben évidemment, présenté comme cela, je ne m'attends pas à une petite rapide de leur part. Ou alors ils vont me prendre pour un fou ou bien un drogué. Surtout que tout le monde sait que vous sortez d'une cure de désintoxication. Justement, il m'étonnerait qu'elle me prête une oreille attentive. Ah, si vous voulez une oreille attentive, je peux vous donner un numéro. Tenez. Docteur, Helmut Murray. Ah, parce que vous aussi vous prenez pour un cinglé? Oh non, non, monsieur Clayton, je ne me permettrai pas. Non, je pense simplement que... Vous devez faire un peu de surmenage. Non, mais ça fait madame Longrébé. Vous croyez de même quand je vous dis que j'ai vu cette femme comme je vous vois? Peut-être. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Oui, ça ne vous coûte rien de lui téléphoner. Il se déplace à l'hôtel. Et vous le connaissez bien? Oh, pas personnellement, non. Non, mais certains de vos amis ont eu recours à ses services. Mes amis? Oui, des vedettes du théâtre, du cinéma, enfin, du showbiz en général. Ah oui, et qui? Monsieur Clayton. Mais que faites-vous du secret professionnel? Qu'est-ce que ça peut vous faire à vous? Vous n'êtes pas docteur? Peut-être. Mais nous avons une éthique. C'est vrai quoi? Que dirait Evangélie ou Francis Lalanne? Si je trahissais leur confiance. Ah oui, ah oui, ah oui. Au nom des patients, le docteur Murray doit être exceptionnel parce qu'il n'a pas pris les plus faciles à soigner. Gardez cette carte, ça sait-on jamais. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, 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 justement, vous n'avez vu personne entrer ou sortir d'ici, mademoiselle. Ah non? Pourquoi j'aurais-tu? Non, mais non, non, simple question. Vous voyez, j'ai mis des glaçons pour qu'ils soient bien frais. Bien aimable. Maman? Oui? Il faut que je te parle. Oui, bien sûr. Immédiatement. Ah, vous permettez? Alors allons-y. Alors, vivement le 14 juillet. Vous avez parlé d'une arme, pas de potuin. Oui, il faut appeler la police, madame Longrébé. Oui,
arme ici, arme qui, comme l'inconnu, a disparu sans laisser de traces. Vous êtes sûr de vouloir raconter ça à la police? Oui, 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 parce que cette fois j'ai un indice. Ah oui? Oui, lisez les rossignols de Caroupier, le dernier Jean-Claude Vermont. Évidemment, c'est un indice. Oui. Vous permettez? Ouh, mais je vois que c'est un best-seller qui a été tiré à plus de 300 000 exemplaires. En réfléchissant bien, là, je me demande si l'enquête ne risque pas de piétiner un temps soit peu. Ça fait beaucoup de personnes à suspecter. Enfin, madame Langlepé, vous me croyez de même quand je vous dis qu'il y a un homme qui m'a menacé avec une arme? Attention, monsieur Clayton. Il y a un instant, vous venez de me dire qu'il vous livrait une arme. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Moi, je ne sais plus. Si j'étais vous, je remettrais d'abord un peu d'ordre dans ma tête. Parce qu'en l'espace de quelques minutes, vous tenez deux discours différents. Si j'étais docteur, je me poserais peut-être la question de savoir si nous n'avons pas là une pathologie psychiatrique. Comment psychiatrique? Double discours, double personnalité, rupture avec la réalité. Beau cas de schizophrénie. Vous croyez? Oh, ça expliquerait beaucoup de choses en tout cas. Vous croyez que je suis schizophrène? Il vous faudrait quand même l'avis d'un spécialiste. Un sexologue? Non, spécialiste. Ah oui, le docteur Meuret, oui. Oh, madame Langlepé, vous me sauvez. Quand je me rends service. Ah, vous permettez que je l'appelle? Ah oui, bien sûr, je vous laisse. Ah non, restez, si l'autre se repointe avec un masque caché. Bien. Oui, bonjour, mademoiselle. Je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Meuret. Oui, c'est pour une urgence. Que j'entends par urgence. Mais une urgence. Oui, je suis Brice Clayton. Oui, comme l'acteur, oui. Oui, comme l'acteur qui vient de se faire larguer par Jacqueline Balmer, oui, c'est ça. Oui, pour un rendez-vous, je vous prie. Pas avant 2 mois? 2 ans? Enfin, mademoiselle, vous n'allez pas me faire croire qu'il y a autant de fous en France? Ah oui? Oh, c'est fou. Alors, mais que faut-il faire pour obtenir un rendez-vous rapidement? Que je sois parrainé? Oui, mais par qui? Par un fou? Enfin, par un patient. Ah oui, par un patient? Oui. Mais écoutez, il fallait le dire plus tôt, mais bien sûr que je suis parrainé, oui. Oui, je suis parrainé par... Jean-Claude Van Damme, oui. Putain, oui. Demain, 14h? Oh, mais écoutez, je vois que Jean-Claude Van Damme est un excellent parrain. Mais écoutez, est-ce que le docteur se déplace? Il y a un sus. Va pour le sus. À l'hôtel New York, oui. Demain, 14h. Je vous remercie, mademoiselle. Ben vous alors, vous êtes surprenant. Pourquoi? Mais comment avez-vous su pour Van Damme? Il n'était pas dans ma liste. Jean-Claude est un vieil ami et je sais qu'il a écumé tous les gourous et les psys du monde entier, alors. Celui-ci est différent, vous verrez. J'ai hâte de le rencontrer. Sinon, ça va vous? Ah oui, bien mieux, pensez donc. Ok. Arrête là. Tu as les lunettes avec les caméras? Oui, tiens. Oula, c'est lourd. C'est des micro-caméras, ça? Bon, voilà, alors, qu'en dis-tu? Bien, je pense qu'en prenant un accent, ça devrait le faire. Naturaliste, je pense que le docteur Meuret doit être un personnage emblématique de la médecine allemande, ya? Freud n'a qu'à bien se tenir. Good. Jouer à la fois le rôle du mari et celui du docteur, vous ne trouvez pas cela un peu risqué? Stanislavski. Tu veux dire Fédon? Moi, j'ai l'impression d'être en plein vaudeville. Écoute,
si on veut finir ce pilote immédiatement et dans les temps, il faut absolument que j'arrive à le convaincre de sa schizophrénie. Bon, Barbara, oui. Écoutez-moi, vous éviterez de nous prendre en plan serré. Je resterai près de lui à cause du son, mais vous éviterez de me prendre à la caméra, d'accord? C'est vous qui décidez, patron. Mais on tourne la scène de la messe d'abord, non? Oui. Ah ben oui, la scène de la messe, vous en avez pour 5 minutes, car on se trouve tous ici. D'accord? Bon, surtout, Mathieu, ne loupe pas ta scène. Non, non, rassurez-vous, je dirais bien... Ok, l'ingénieur, je sais où la trouver. Elle est à l'église, c'est une folle de la messe. Et non pas, elle est molle de la fesse. Bon, ma chérie, surtout, tu attends le signal, d'accord? Tu attends le signal brasilien. Oh, écoute, Augusto, à force de tourner avec des amateurs, tu oublies que je suis une professionnelle, chérie. En revanche, tu ne m'ôteras pas l'idée que tu aurais dû choisir un autre signal. Brasilia pour un enterrement. Justement, je voulais te parler de ça. Tu ne trouves pas ta tenue un peu trop... Pourquoi? Pour un enterrement un peu trop, quoi. Non, moi, j'ai voulu donner une note de gaieté. La scène est déjà tellement triste. Si tu préfères, voilà. Bon, mais surtout, très important, il est très important que tu les surprennes ensemble, hein, dès que tu rentres, d'accord? Alors, tu joues, hein, tu fais un peu de jeune musique, tu les surprends ensemble, voilà, tu fais ta scène, ok? Très bien, ça va, c'est parfait. Bon, eh bien, écoutez, nous sommes... Hilton est en train de finir son verre, mais il y a un problème. Quoi encore comme problème? C'est Laurence, elle est en pleine crise. Comment ça en pleine crise? Il a un petit con. Oui, ça fait longtemps qu'elle est petit con. Non, mais elle était en train de réviser son texte et puis paf, la crise. La crise, qu'entendez-vous par la crise? Eh bien, j'ai été obligée de lui donner ses calmants. Ah ben, ça doit être la grosse crise alors. Vous n'en avez pas fait un zombie au moins? Ah non, non. Mais elle sera calme. Ah, ça changera. Oui, ça changera peut-être, mais ça tombe mal. Oui, surtout avec la scène qu'elle devait tourner. Je t'avais dit de ne prendre que des professionnels, chérie. C'est un métier, tu devrais le savoir. Écoute, ma chérie, c'est pour ça que je compte sur toi. Oui. Je t'ai déjà dit quoi, absolument, que tu les surprennes. Oui, hein? Si elle n'a pas réussi à l'allumer, je fais comment, moi? Écoute, si t'as pas... Ah, et ben voilà, tiens, joue ça et furax de jalousie et puis improvise. Mais surtout, tu n'entres pas tant que je n'ai pas donné ton signal. Vas-y, d'accord? Mais vu ce n'est plus du vaudeville, c'est du théâtre d'avant-garde. Bon, et toi, tu penses que tu vas t'en sortir? Je vais tâcher, je vais essayer, ne t'inquiète pas. Bon, et tu attends ton signal, ok? Oui, Brasilia, je suis pas sourd. Bon, allez, vite, tournage d'ordeur, décor, allez, suivez-moi. Oui, il est 14h, il faut que je reste. Non, vous n'êtes pas dans cette scène. Occupez-vous plutôt de réveiller votre fille, d'accord? Comme vous voulez. Et surtout, madame Longuepec, elle n'oublie pas son signal. Ah oui, chaud cacao, c'est bien ça. Oui, elle, c'est chaud cacao. Oui. Oui. Brasilia, chaud cacao. Vous aimez les effets exotiques? Oui, je dois avoir besoin d'un conseil. Faites-moi venir vous expliquer. Ah, monsieur Clayton, le docteur vous attend au salon. Merci. Docteur Murray. Ah, monsieur Clayton. Je suis content que vous ayez pu vous rendre disponible. Je vous en prie, asseyons-nous. Asseyons-nous? J'ai passé une nuit horrible. Je ne voyais plus l'heure de ce rendez-vous. Ah! Tiens donc, vous avez mal dormi, vous faites des cauchemars? Oui, mais seulement depuis cette nuit. Ah, avec ce qui m'arrive, docteur, j'ai des hallucinations. Tiens donc, vous avez des hallucinations? Oui, je suis persuadé de rencontrer des gens qui semblent me connaître, mais que je ne connais pas. Qui plus est, ils disparaissent dès que je ne suis plus seul. Oh, cool. Vous buvez beaucoup, monsieur Clayton? Non. Nein. Est-ce que vous vous droguez? Oui, j'ai terminé ma cure de désintoxication le mois dernier. Ya. Cannabis? Oui. Cocaïne? Oui. Ecstasy? Oui. Aïe ou fines herbes? Vous êtes plutôt aïe ou fines herbes? Je ne sais pas, j'aime bien les deux. Nous sommes donc dépendants à l'ail et aux fines herbes. Dépendants. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît, monsieur Clayton. Faites-vous du jogging, monsieur Clayton? Oui, ça m'arrive. Et pendant que vous faites du jogging, vous est-il arrivé de vous faire agresser? Oui. De vous faire frapper violemment? Un grand coup de balle dans le ventre. Et quand on vous a frappé, avez-vous eu du mal à reprendre votre respiration? Oui. Nous y sommes donc sujets à des troubles respiratoires. Bien, monsieur Clayton, que voyez-vous là? Les ronds jaunes. Yakoute, que vous voyez-vous sur celui-ci? Les ronds rouges. Yakoute, et sur celui-ci? Des traits noirs. Pardon? Des traits noirs?
vous voyez des traits noirs. Enfin, docteur, ce sont bien des traits noirs. Ne vous énervez pas, monsieur Clayton. Je suis ici pour interpréter vos réponses, pas pour vous donner les boules. Si vous voyez des traits noirs, c'est votre droit. Non, mais enfin, docteur, moi, il y a des traits noirs. Calmez-vous, monsieur Clayton, et donnez-moi ce papier, je vous prie. Oh, ce n'est pas possible. Facteur d'égoïsme aigu. Bien, passons à autre chose, monsieur Clayton. Combien font 1629 que multiplie 1345? Peut-être. Le sujet a tendance à poser des questions idiotes. Il y a un naturaliste, dites. Mais non, il y a bien trop de chiffres. Je vois. Et 7 fois 8? Pardon? 7 que multiplie 8 ou 8 que multiplie 7, si vous préférez. Oui, vous voyez, ce n'est pas une question de chiffres. Sujet à des troubles cognitifs. Bien, monsieur Clayton, je crois que nous avons fait le tour. Je vais vous prescrire quelques calmants et une révision de votre table de 8. Et qu'est-ce que j'ai, docteur? Trois fois rien. Vous souffrez de schizophrénie, mon bon monsieur. Vous allez pouvoir m'en soigner? Je pense, ya. Si vous faites ce que je vous dis, monsieur Clayton, et si vous n'êtes pas suicidé avant? Ah, en temps normal, rarement. Et quand je professe, jamais mal. Vous savez, l'espérance de vie des personnes touchées est inférieure de 10 à 12 ans à l'espérance de vie du taux moyen à cause des maladies et du fort taux de suicide. Oh. Et pour que je reste en vie? Acceptez votre dédoublement, my hair. Acceptez, c'est déjà mieux vivre, c'est déjà guéri. Alors, monsieur Clayton, lorsque vous aurez d'autres visions, jouez le jeu! Acceptez-les, après tout! Vous êtes une comédienne! Non, là c'est différent! La réalité c'est vraiment différent! Non, je flippe vraiment, docteur! Oh, je vous rassure, vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là, monsieur Clayton! Alors, pour que je comprenne bien, s'il m'arrive à avoir des visions, je peux les ignorer! Nein! Une partie de vous aura besoin de réponses, ne les ignorez pas! C'est le meilleur moyen de finir à gagner! Bien, monsieur Clayton, avez-vous d'autres questions? Ben non. Dans ce cas, vous me devez 850 euros. Il y a 350 euros pour la consultation et 500 euros de déplacement en sus. Dingue. Voilà. Et puis donnez-moi aussi votre chemise. Ah, parce que vous prenez ma chemise aussi? Meine Tante, quand vous êtes resté une grande enfant, je ne vous ai pas ausculté, voilà tout. Ah oui, d'accord. Allez. Et pendant que vous vous déshabillez, je vais commander quelque chose parce qu'il fait très chaud. Oui, une bière. Nein, je ne bois pas d'alcool. Je vais prendre plutôt un chaud cacao. Un chaud pour la chambre. Nein, une chaud cacao. Ah, mademoiselle, vous tombez bien. Oh, mais là, j'ai failli louper la marche et être effectivement bien tombée. Vous voulez que je coupe la clim? Ah non, j'étais en pleine auscultation, ce qui explique ma tenue. J'espère que vous serez plus rapide tout à l'heure quand je vous demanderai d'ôter votre pantalon. Vous êtes drôle, vous. C'est pas de ma faute, c'est votre torse velu qui me rend toute chaude. Docteur. Ya! Pardon? Docteur, dites-moi, il y a bien une femme en face de moi. Ya, il s'agit bien d'une collègue, tout à fait réveillée, voilà. Ce n'est donc pas le fruit de mon imagination. Nein, je peux vous dire qu'il s'agit bien d'une femme. Oui, alors pourquoi me parle-t-elle de mon torse velu alors que j'ai que trois poils qui se battent? Mais ça, nous ne pouvions pas le savoir. De quoi? Que vous n'étiez pas venu. Ah, mais non. En plus, si vous lisez les magazines du Paul, vous ne pouvez pas connaître mon nom. Mais la chose est embêtante. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire à vous? À moi, rien, Nein, c'est la folie, regardez. Je crois qu'elle a des fantasmes sur vous. La fille de l'hôtelier? Ya, ça se voit, regardez l'œil brillant. Et comment il se trémousse. Si j'étais vous, je sauterais sur l'occasion. Je vous entends tous les deux. Vous croyez que j'ai une gueule d'occasion? Oh non, bien sûr que non, docteur. Ce que le docteur a voulu dire, non. Nein. En tout cas, vous avez raison. Il fait une de ces chaleurs ici. Je crois bien que je vais faire une sécheresse vaginale. Tiens, je vais vous laisser avant que la sécheresse ne monte au cerveau. Non. Mais qu'est-ce qu'il a, le grand garçon? Il a peur de se seul avec moi. Pourtant, bientôt, c'est le 1er novembre. Oui, et alors, c'est la fête de tous les saints. Et j'en connais deux qui sont déjà toutes excitées.
tirez pas. Enfin, mademoiselle, reprenez-vous. Mais répétez-vous. Enfin, si vous êtes en train de nous jouer la fête des morts, vous allez bientôt nous faire la tous. Non, c'est une méthode allemande qui a fait ses preuves. Alors, ça y est. Ça y est. Alors, chaud cacao. Et y'a pas Banania. Et y'a pas Banania. Et empêchez-le de remettre sa chemise, dépêchez-vous. Mais qu'est-ce qu'il fait, mon prince des cils? Il va pas déjà s'habiller. Écoutez, mademoiselle, ce n'est pas parce que vous avez vu mon torse que vous pouvez m'appeler mon prince. Pourtant, tu sais, tu sens bon le sable chaud, toi. Cool. Cette fois-ci, je vais vous laisser pour de bon. Ah non, docteur. Ah, docteur, encore 5 minutes. Je ne peux pas, j'ai un patient qui m'attend et qui ne souffre d'aucun manquement à ses méthodes de travail. D'ailleurs, sa femme m'attend déjà dans la voiture. Non, mais pas, attends. Ah, nein. On voit bien que vous ne connaissez pas Anne Sinclair, ou ça. Non, parce que c'est vous qui soignez. Soignez, soignez. On essaie. Bon, bon, monsieur, vous voyez bien, vous n'êtes pas un cas désespéré. Tu vas voir, mon poussin. On va bien s'amuser. Non, écoutez, je n'ai aucune envie de m'amuser, puis rendez-moi cette chemise. Oh, monsieur Clétoun, arrêtez de faire le rabat-joie. C'est pas possible. Ce n'est pas bon pour vous. Il faut suivre un traitement plus. Olé, olé. Parfaitement. Il faut vous s'amuser. Allez, la vie. S'amuser. Mais bien sûr, la vie est trop courte. Vous devez vous amuser. Viva Carnaval, viva Brasilia. Viva Brasilia. Viva Carnaval. J'ai bien que vous essayez de me distraire, mais je n'ai aucune envie de m'amuser, voyez-vous. Mais arrête de dire des bêtises et embrasse-moi, plutôt. Non, mademoiselle. Non, non, je crois que vous ne m'avez pas bien compris. Je ressors du coup avec une salope. Oh, n'aie pas peur de ce que tu ressens. On peut s'aimer tous les deux et se laisser envahir par l'amour. C'est une chanson. Non, un poème. Et pas si facile à placer d'ailleurs. Là,
Tu as été torturé jusqu'à l'âge de 5 ans. Ah oui, ça, je m'en souviens. Dès que tes parents ont été jugés, ont été placés dans un centre d'état sans que tu t'en aperçoives, tu as été mise en observation. On s'était rendu compte que tu étais assombrie. Tu étais un surdoué. Tu as fait des études de physique et de chimie. Et à 17 ans, tu as découvert, au travers de la physique quantique, la possibilité de vieillir ou de rajeunir des tissus humains. Stop! On arrête là, parce que... Alors là, selon vous, j'étais peut-être un génie. Ah, je veux bien l'imaginer. Mais j'ai fait aussi Alzheimer. Alors c'est facile de dire tout et n'importe quoi et d'employer des termes bidons, mais maintenant, avec Google, nous allons être vite fixés. Vous dites physique... quantique, avec un K, voilà. Ah voilà, là. La physique quantique est l'appellation générale de théorie physique qui décrit le comportement des particules et des atomes. Bon, je n'ai rien compris, mais au moins je sais que ça existe. Vous pouvez continuer. Les travaux ont été financés par l'armée et tu as travaillé de nombreuses années dans la zone 360. Là, tu allais rencontrer Carmelita, qui allait devenir ta femme. Et de cette union sont nés trois enfants que l'on retrouvera à chaque épisode. Pardon? À chaque épisode de ta vie! De ta vie! Et puis, hélas, Rolandine est tombée gravement malade. Rolandine? Une de tes filles essaie de suivre Octavien! J'avais vraiment un coup de chiotte pour les prénoms. Tu as décidé de la sauver en utilisant le seul prototype P737. Ce n'est pas la peine de chercher ça dans Google, sinon tu vas tomber sur des caractéristiques de Boeing. Ta fille est sauvée, mais tu avais sacrifié 10 années de recherche, t'attirant par-delà même les foudres, ta tétard, du patron des services secrets, l'ingénieur. Attendez, si ma fille est vivante, où est-elle aujourd'hui? À côté de toi. Cette femme est Rolandine. Alors là, je ne suis pas Rolandine du tout. Je suis Sidonie. Sidonie? Mais je croyais qu'on vous appelait Laurence. Ah, non. Alors en fait, je me fais appeler Laurence parce que... Quand nous avons placé ta fille dans cette famille d'accueil, nous avons aussi changé son identité. Alors vous voyez bien que cette femme raconte n'importe quoi. Non seulement nous avons changé son identité, mais tu as aussi effacé sa mémoire. On saute à la page 56. Permettez-moi d'être un peu sceptique. Je trouve cette femme un petit peu vieille pour être ma fille. Ma sœur, à la rigueur, nous avons quasiment le même âge pour tout. Mais c'est l'un des principes du B737. Les tissus ont été délits. En fait, ta fille n'a que 14 ans. 14 ans? Mais c'est pas possible. Elle a mal vieilli. Et si c'est possible? Et ça expliquerait ce cauchemar récurrent que j'ai toujours. Je me vois dans ce laboratoire avec une grosse piqûre qui me pique le bras. Il y a ce symptôme récurrent, cette bouffée de chaleur. Oh, vous êtes sûr que ce n'est pas la ménopause? Papa, comment as-tu pu me faire une chose pareille? Je n'ai que 14 ans. Et toi, à 14 ans, peux-tu les marconner? Tu étais prête à me sauter dessus? Je n'écrirai jamais un truc comme ça dans mon journal intime. Il fallait que ce chaos cesse. Voilà pourquoi il était urgent que j'intervienne. Attendez. Comment cela se fait-il que vous soyez la seule à connaître cette partie de ma vie? Octavien, tu ne connais pas encore ton importance. Ensemble, nous pourrions faire de grandes choses. Et qui êtes-vous? Je suis ta mère. Mon père! Mon fils! Partons ensemble!
excellente retrouvaille. Mais c'est l'heure de passer à la caisse. L'ingénieur vous attend, professeur Le Noiret. Vous savez qui je suis? Oui. Et je sais surtout ce que vous avez fait. Des génies comme vous, ça ne court pas les rues. Vous avez un beau fessier prometteur. Vous avez un beau métier, professeur. Maintenant, suivant. Et qu'allez-vous faire d'elle? Ils vont nous éliminer. Oh non, papa. Elle m'abandonne pas. Je n'ai que 14 ans. Je n'ai pas eu le temps de voir Londres, Paris, New York, Bordeaux. Et puis demain, j'ai deux billets pour aller voir Justin Bieber en concert. Je n'ai jamais vu que c'est tout cet eau qui s'appelle Elio Kézak. Il va vraiment falloir que j'apprenne le sens des priorités à cette petite. Bon, on va se jacasser. Suivez-moi, professeur. Je suis désolé, je ne peux rien faire pour vous. Poupée! Ah, mais quel crétin! Mais quel idiot ce type! C'est pas possible! Non, c'est incroyable! On va lui fusiller sa mère et sa fille, et tout ce qu'il trouve à dire, c'est « Je suis désolé. » Ah! Surtout que s'il décide de suivre Mathieu, oui. Scène est fichue! Ben, bien sûr! Que fait-on, patron, la tourne de main? C'est impossible, on n'a le droit qu'à une seule prise. Non, mettez-moi plutôt en relâché avec l'oreillette d'Aretha. Oui, patron, la voilà. Merci. Et vous pouvez parler, elle vous entendra. Parfait. Allô? Aretha, écoute-moi bien. Changement de programme. Tu vas prendre l'arme des mains de Mathieu et tu vas la lancer dans celle de cet imbécile heureux. Si tu as compris, tu passes délicatement ta main dans tes cheveux. Et après, vous improvisez. Ok, on vous suit. Patron, et pour la Kézak, je supprime? Non. Présenté, c'est le seul publicitaire qui a accepté de financer la série. En plus, Laurence a encore 3 messages publicitaires à viser. Ça va être facile, ça. Non, bon, allez, on enchaîne. Allez, action! Il va vraiment falloir que j'apprenne le sens des priorités à cette petite. Bon, on va se jacasser. Suivez-moi, professeur. Je suis désolé, je ne peux rien faire. Attends, Grigneux! Tu ne crois tout de même pas que tu vas pouvoir t'en tirer comme ça? Toi, je te conseille de ne pas la ramener. Qu'est-ce qui vous dit? Tu n'as aucune chance, Grigneux. Tu sais très bien qu'ils n'hésiteront pas à t'éliminer, toi aussi. Dès qu'ils n'auront plus besoin de toi, tu peux encore sauver ta peau. Non, mais c'est pas vrai. De toute façon, vous ne vous en servirez pas. Vous avez raison, je n'y arrive pas. Vous êtes trop lâche pour ça. Toute votre vie n'est qu'un fiasco. Vous n'avez su que mettre vos évêques en chaleur. Vos échecs en valeur. Donnez-moi cette arme, professeur. Vous avez raison, je suis trop lâche. Je ne peux pas. Mais tire, Octavien, tire. Mais oui, papa, tire. Mes empreintes sur le tenue.
mais quel acteur, quel professionnel. On voit le, on sent le charisme. Bon, et moi, personne ne me complimente. Merci pour l'impro, Aretha. Bah, vois ça avec le boss, tu sais, je n'ai fait qu'obéir aux ordres qu'il me donnait dans l'oreillette. Oui, mais il faut prévenir qu'il y a des changements. Rassure-toi, tu as été parfait. Moi, je vais prendre ça comme un compliment. Tu peux, parce que je ne te dirai pas ça tous les jours. Alors là, je n'ai qu'un mot à dire, les enfants, bravo. 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 Là, c'est dans la boîte, cette fois-ci, je peux vous dire que ça va cartonner. Ah, j'en ai les larmes aux yeux. Ah oui, ça va être un franc succès, bon, ça. Alors, oh maman, maman, c'était super. Bah, Lolo, je suis trop fière de toi. Oh, et vous pouvez aussi être fière de vous, Odile, ça. Vous allez crever l'écran. Parce que vous allez garder mon passage? Mais bien sûr, et les gens vont vous adorer. Merci, Odile, d'avoir fait en sorte que ce pilote se fasse. Pour Odile, hip hip hip. Ouah! Hip hip hip. Ouah! Hip hip hip. Ouah! Oh, madame Longuepée, oh, madame Longuepée! Ah! 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 Mais voilà! Ah, mais voilà! Je savais bien que je n'étais pas fou, je suis schizophrène! Ah oui! Madame Longuepée, dites-moi, il n'y a personne en face de nous, hein? Non. Ah bon, vous ne voyez personne? Non, personne. Ah, de toute façon, vous m'auriez dit le contraire, que je ne voudrais pas cru. Parce que lui, madame Longuepée, le seigneur à chapeau noir, il est mort. Non, K.O. Capote. Et c'est parce que je suis schizophrène, un stade, vous ne pouvez même pas imaginer que je le vois encore en vie. Ah oui, ça s'est aggravé depuis 3 jours, c'est terrible. Oh. Oui, et c'est parce que je suis schizophrène qu'il a ressuscité. Voilà, oui, je suis en décalage avec la réalité. Oui. C'est mon imagination qui me fait tout. Si ça se trouve, dans 5 minutes, il aura disparu. Sinon... Ça va, vous? Ah oui, bien mieux, pensez donc. Maintenant que je sais que je ne finirai pas ma vie en prison. Dites-moi, madame Longuepée. Oui. Vous ne voyez toujours personne? Rassurez-vous, je ne vois personne. Pas même votre mari? Mon mari? Mais... Ah oui, non. Non, ah, parce que alors lui, je ne sais pas pourquoi il se tape avec une intruse à ma schizo. En même temps, avec l'imagination, il ne faut pas chercher à comprendre. Bien, je vous avais réservé pour 10 jours, mais je libère les 24 chambres aujourd'hui, oui. Je crois que j'ai besoin de beaucoup de solitude. Je pars en retraite chez les moines tibétains. Ah non, à Saint-Léon-sur-Bézère, en Dordogne. Voilà, alors. Ah, je vous remercie, madame Longuepée. Bien, je vais m'occuper de mes bagages moi-même, puisque votre personnel cerveau croate est figé dans ma psychose. Alors, moins j'en fais, mieux je me porte. Je vous remercie pour votre hospitalité, madame Longuepée. C'est bien, monsieur Clayton, d'accepter l'inéluctable. Oh, vous savez, il faut savoir prendre la vie du bon côté quand on suit des films. Pour le meilleur second rôle féminin sont Fabienne Cara dans Plus belle la vie, Aretha Brivé dans Message indiscret et Clara Morgan dans Cueille-moi le champignon. Le meilleur second rôle féminin est attribué à Aretha.
l'état privé d'un message indiscret. Nous aurons le plaisir de vous présenter À ce prix es-tu là, que nous avons ressorti des cartons.
L'étude est durée et puis notre dernière création au mois de mai. Entrée, plat, décès, tout un programme. Nous espérons vous savoir nombreux et théâtralement vôtre. Bonsoir.